mes seigneurs les vicaires épiscopaux, les membres du clergé paroissial, très chers frères dans le sacerdoce, chères religieuses, les membres de l'administration déconcentrée du pouvoir public, très chers philosophes des différents établissements scolaires, les agents pastoraux de la paroisse, vous qui me suivez à travers les réseaux sociaux, sur les ondes de la radio, pèlerins venus de partout, chers paroissiens, frères et sœurs bien-aimés, peuple de Dieu. Plusieurs centaines de pèlerins venus de différentes paroisses, des écoliers en classe terminale venus de différents établissements scolaires et d'autres invités se sont réunis ce matin à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin pour célébrer l'Eucharistie en l'honneur de Saint-Thomas d'Aquin, patron de la communauté aquinoise. C'est aussi l'occasion de s'arrêter pour magnifier et contempler ce que Dieu a réalisé dans la paroisse. La mission de la communauté, c'est de répondre à l'appel de Jésus, servir les uns les autres. C'est aussi grandir harmonieusement dans la grâce de Dieu. En ce jour de fête, la communauté doit faire le point sur sa vie comme communauté. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés en Église pour célébrer le patron de la communauté, Saint Thomas d'Aquin. Célébrer la fête d'un saint dans une communauté chrétienne comme la nôtre, c'est célébrer les vertus théologales, la foi par laquelle nous croyons en Dieu, l'espérance qui s'exprime dans la prière et la charité, vertu par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toutes choses, notre prochain comme nous-mêmes. Notre saint patron, dont nous faisons honneur aujourd'hui, grâce à son génie, a su réaliser une vaste synthèse entre les pensées traditionnelles des pères de l'Église et les exigences de la rationalité de son temps. Le docteur Angeli a su accorder la foi, foi et raison, sur nature et nature, théologie et philosophie, scolastique et dialectique. La philosophie est la servante de la théologie afin d'exprimer comme les deux disciplines, comment les deux disciplines collaborent de manière subalterne à la recherche de la connaissance de la vérité, chemin vers la béatitude. Le Dieu de la foi n'est pas en contradiction avec le Dieu de la raison. En d'autres termes, Dieu est la cause qui cause, le commencement et la fin de tout. Le 7 mars 1274, sur son lit de mort, âgé de 49 ans, Thomas eut à dire: « C'est par amour pour vous, Père, que j'ai étudié, veillé des nuits entières et que je me sens épuisé. » L'auditoire a été édifié durant quelques minutes en écoutant les paroles célèbres prononcées par saint Thomas d'Aquin. La péricope d'évangile de saint Matthieu, choisie en cette circonstance, soumet à notre méditation. La grandeur d'un disciple se mesure dans sa manière de servir. Que celui qui conduit soit comme celui qui sert. Luc 22, verset 26. Et le Seigneur ajoute: Or moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Qui se lèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Aujourd'hui, Jésus nous dresse un portrait des notables d'Israël. Ils vivent dans une situation superficielle. Ils ne font qu'apparence. Ils font tout leurs ailes pour être vus par les hommes. Et de plus, tombant dans l'incohérence parce qu'ils disent et ne font pas.
Ils seront esclaves de leur propre tromperie en cherchant seulement l'approbation ou l'admiration des hommes. Ils ne sont eux-mêmes que vanité pathétique, orgueil absurde. Frères et sœurs bien-aimés, les disciples de Jésus ne doivent pas être ainsi. Bien au contraire, le plus grand d'entre vous sera votre serviteur. Et de même que nous avons un Père unique, ce sont tous des frères. Comme toujours, l'Évangile nous dit clairement que nous ne pouvons pas séparer la dimension verticale, le Père, de l'horizontale, la nôtre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus est venu pour servir son Père et tous les hommes. Il a abandonné les privilèges de sa condition divine pour partager notre fragilité humaine. Vous qui êtes ici présents, prêtres, religieuses, hommes politiques, chaque monde qui l'a capable de questionner tête, est-ce que je vis dans une attitude de service, don de moi-même à Dieu et à mes frères, à l'exemple de Jésus? Est-ce que je sers Dieu ou je me sers de Dieu pour justifier, de faire peser sur mes frères mes jugements, mes critiques et mes manques d'amour? La foi en Jésus n'incite pas à la domination, au combat à mort pour la première place. Mais la foi en Jésus nous pousse au service qui nous rend capable de prendre la dernière place par amour. Le vrai pouvoir, c'est le service. Frère avec ce mieux. Pays nous a chargé à autorité qui est le pouvoir. Mais pays nous a manqué serviteur qui a bonne volonté, qui vous servir la nation. Pays nous a besoin des hommes et des femmes humbles qui vous portent service à l'autre. Si là, vous traitez en parlant pauvre, serviteur, c'est si là qui lui est tête pour sauver l'autre. Plus grade à monter, c'est plus vous devez servir. Mais dans le pays non Haïti, c'est différent. Plus vous avez pouvoir, c'est plus vous faites l'argent. C'est plus malheureux à couper dans la misère. Dans l'Ancien Testament, Moïse était en écrit, peuple-là, il était agi en faveur, il était intercédé pour eux. Et bagayoté allé en faveur, peuple-là. Je ne j'ai dit là, pays non de ce nouveau Moïse, qui vous donnerait le peuple-là, qui vous donnerait trahi. Nous avons besoin du nouveau Moïse qui est dans la section communale. Nous avons besoin des leaders qui sont exemple présence de bon Dieu dans le quartier, dans la commune. Des leaders qui sont capables de dire, moi je trahi le peuple moyen à passer. Leaders nous ont tout espoir non comme avec ce nous. Nous fait belle promesse qui va respecter. Ils ont dit, même je dans l'évangile là, mais ils n'ont pas fait. Chantez à monter sur nos pauvres, ils descendent sur nos grenades. Malheur nous, c'est bonheur. Inondation, il y a soucé. Cyclone, il y a soucé. Tremblement de terre, il y a soucé. Ils ont fait gros affaires, ils ont fait gros récoltes. Mais le peuple a coupé dans la boue, dans la misère, dans la souffrance, dans la richesse, dans le pagaille. Si le monde ne peut pas aller à l'école, ils ont zombifié nous, ils ont fait un discours qui va marcher avec action. Là, est beaucoup plus éloquent que la parole. Pays noir, pas besoin de leaders exploités encore, mais pays noir, besoin de leaders serviteurs. Jésus dit dans l'évangile là, dans l'occasion de Saint Thomas, monde qui veut vivre plus grand, dans le temps non, c'est pour tourner serviteur non, c'est pour tourner esclave non. Nous gommons une à l'autre. En année 2020, nous gommons une pour l'autre. Nous gommons une autre propre, une dévorée l'autre, une pas dévorée l'autre. Nous gommons une pour l'autre. Gommons pour la vie, puis Dieu est capable de changer. Gommons pour qu'il y ait bon hôpital dans Akin, pour tout le monde capable d'aller à l'école, pour qu'il y ait bon salle cinéma, bon salle bibliothèque pour jeunesse là. Pays nous, il y a une grosse crise qui a ravagé. Une crise anthropologique.
pays noir en crise, délit. Je ne veux dire, on a parlé de changement de constitution. Quel que soit, si là, qui a dirigé, a toujours fait le mise. Ce n'est pas la constitution qui fait problème. Mais nous avons une crise d'homme animée de mauvaise conscience. Nous avons des problèmes de mentalité. Aussitôt que la vie nous change, il y a pile de bagages qui sont possibles dans le pays ça et dans la nouvelle Haïti que nous espérons. Nous sommes appelés à construire une cité, une nouvelle cité. C'est le projet de Dieu et aussi c'est notre projet. Pendant l'année 2021, tout le monde souhaitait changement. Mais c'est nous-mêmes qui pouvons changer avant. C'est nous qui empêchons le pays de marcher bien. Parce que, en pile haïtien, par aimer Haïti, nous mettons barrières pour petit notre là, pas capable à l'hôpital. Pour femme qui a tranché, pas capable de prendre soin. Nous bloquons route pour faire action, pas capable à l'école. Pour petite soyette, pas capable de vivre en rien dans le pays. Pendant que petit yo a recevoir un diplôme dans l'autre pays. Messieurs, dames, nous faisons petit yo mal. Messieurs, dames, nous méchants dans le pays. Nous ne remettons pas le pays. Nous tuons l'espoir de peuple. Question à poser. Qui ça nous compte faire dans le pays? Et qui ça nous veut faire? Nous-mêmes, peuple de Dieu. Pendant que l'autre pays a cherché à améliorer, mais nous-mêmes, nous chita à payer dans la médiocrité. Pendant que tout l'autre pays a baissé le paix de l'éducation, nous-mêmes, ces âmes nous baillons, puis on braque les gens dans la RIA, puis on viole les petits gens dans la RIA, puis on part en dépensé pour mettre les petits gens dans l'école, vagabond, violer, kidnapper. Nous pas dit rien. Ça pas fait nous rien. Dans le pays ça. Tout bagaille est prêt bien. Pendant que petit Dieu a souffri. Ça pas nous rien. Que femme dans la commune, dans le quartier, a accouché couchol. Mais on fait éloge. Madame ou va la coucher l'autre bord de l'eau. Tout pays a développé. Mais Haïti a enveloppé. Nous marais, tant que nous crabe. Avec une série de problèmes. Chaque coucouille, clairé, bougé. Depuis ma Guinée, nèg, raï, nèg, zafè cabrit, pas zafè mouton. Ferme avec ce mieux, les arrivés pour nous former chaîne solidarité. Les arrivés pour nous fraterniser nous, trop chier pique entre nous. Plus jamais, jamais la guerre. Le monde a fait de paix. En Casemiraï, qui existait dans la frontière nous. Les arrivées pour nous construire pont qui vous permettent une à jeune pour dialoguer. Les arrivées pour nous construire pont pour proposition à jeune PHK. Les arrivées pour toute petite nation qui est ensemble pour nous sauver Haïti, pour nous sauver paysan. Femme avec ce lieu. Moi, je crois que bon Dieu va créer un passage pour Haïti dans le temps de tout désespoir. Si le peuple Israël a été sorti dans sa lière, bon Dieu te fait route pour lui. Et c'est comme ça. Bon Dieu qui a fait passage pour Haïti, qui a traversé et pas difficile. Jésus n'a pas campé devant la croix. Il n'a pas fait battre devant la mort que devant le blanc. Mais il a accepté de sauver nous. Il a accepté de mourir pour nous. Même Jean Jésus était fidèle jusqu'à la mort. Nous avons besoin de demander, je dis, aidez-nous poursuivre fidèlement notre course. Aidez-nous poursuivre fidèlement notre course. Restez accrochés à la main secourable de Dieu. C'est bon Dieu de livrance, moi vers le talent, moi pas. Jamais la guerre peut moi nous même compter sur moi. Si bon Dieu de livrance moi vers le talent, moi pas jamais la guerre peut moi nous même compter sur moi.
Dans l'Épître Saint Paul écrit mon Roméo, chapitre 4, verset 18, il dit, espérez contre toute espérance. Jésus, c'est unique espérance, non, vraiment avec ce mot. C'est le seul qui gagne assurance. Si nous bien plongés dans source espoir dans Jésus, les tout espoir perdu pour Haïti, Jésus, c'est notre espoir sûr. Seule unique espérance qui capable d'avoir espoir dans le temps désespoir, nous, jeudi. Femme avec ce mieux, espérer contre toute espérance, c'est là que nous ne pouvons jamais baisser les bras devant une situation malheureuse qui nous détruit. Espoir, pas ça. Jésus dit non, faire route avec lui. Même Jean avec disciples et Maïsio, reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Il fait nuit dans la vie nous commettre, il fait nuit dans la vie chaque Haïtien. Il fait nous dans le pays d'Haïti. Et nous chita à réfléchir. Qui monde existe pour gagner? Comme monde. Pour qui ça? C'est petit nous qui violé. Pour qui ça? C'est nous-mêmes qui toujours victimes. Et pour qui ça? C'est le pays nous qui toujours comme ça. Nous perdons la valeur nous comme monde. Nous perdons la dignité nous comme peuple. Espérer contre toute espérance. Là où tomber, ou bien lever. Mais dans la société noire, toujours gagnons là. Toujours comme Bakou. Qui monte sur nous qui a pesé les pitié à terre pour faire gros causes sur notre tête, gros richesse. Vous pensez, contre la misère, c'est richesse. Mais Abbé Pierre dit non, contre la misère, c'est partage. Calme grave. D'ailleurs, pardon pour le peuple. Peuple a souffri. Autorité qui a une responsabilité dans le pays. Fais travail, non. Prends responsabilité, non. Trop. C'est assez. Haïtien bouquet. Bon Dieu, Haïtien bouquet. Non bouquet, l'ange met en bas, non. Bon Dieu, souffle-nous à couper. Mais la paix coupée en bas, même. On chante avec la foi. Bon Dieu, haïtien bouquet, non bouquet, l'ange est en bas, non. Leader religieux, campez mon côté, peuple ça. Dénoncez mal qu'il a subi et annoncez un message de paix, espérance. Annoncer un message de paix et d'espérance. Jésus dit non, frère et soeur, nous pas besoin de peur. Et il dit ça. Ça fait 28e fois qu'il dit ça pendant l'année. Parce que dans la Bible de la Genèse à Apocalypse, ça a répété 365 fois. C'est chaque jour. Jésus dit non, nous pas besoin de peur. Nous pas besoin de peur. Parce que victoire, c'est pour nous lier. Parce que petite maman Marie, pas jamais perdu. Petite maman Marie, Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Quant à vous, chers philosophes, je tiens à vous rappeler que la vraie philosophie se fait à genoux. En cette fête des philosophes, je vous invite à marcher sur les traces de Saint Thomas d'Aquin pour devenir des personnes humbles qui ne s'enflent pas d'orgueil, aimant les études qui, à travers de la philosophie, sous le regard de la foi, cherchent Dieu pour le trouver. Je vous exhorte à ne jamais accepter la médiocrité dans votre vie. Plutôt, visez l'excellence. J'exhorte tous les forces vives de la nation à travailler ensemble, à faire preuve de dépassement de soi, à faire preuve de bonne foi pour trouver une solution durable à cette crise qui gangrène ce pays. Bagailleux, pas capable de continuer comme ça. Toi, sang a coulé, toi, monde qui a souffri. Il faut dire non à la misère, non à la pauvreté, non à la confrontation. Tout le monde paraît pour faire guerre civile. Tout le monde paraît pour faire des choucailles. Non à la confrontation. Non à la corruption. Non aux inégalités. Mais oui à l'inclusion. Oui à la
la solidarité, oui, à l'amour. Faut que nous tous fassions. Et c'est ça, Jésus m'a dit non. C'est l'ordre Jésus qui est passé nous. Nous pas capables de trahir sans nous. Sans nous, c'est sans Jésus-Christ. Et c'est ça que bon Dieu m'a dit non. Pour nous, l'Haïti possible. Faut que nous tous fassions dépassement ça. Travaillons pour faire d'Haïti un pays hospitalier. Femme avec Seigneur. C'est pour nous la prière. C'est pour nous la prière. La prière sans aider. Nous c'est l'image de Israël. Bon Dieu est toujours avec nous. Les fidèles, les guébés pour les signes. Et les dit-nous, la avec nous, juste ça là-bas. Même si nous marchons dans la ville, l'homme a nous pas besoin de peur. Parce que lui avec nous. Pas découragé. Jésus qui accompagne Élie dans le désert. Il est toujours là. Jésus qui a sauvé Jonas dans votre poisson. Toujours là. Il a sauvé papa Israël. Il y avait Jonas qui découragé. Mais espoir, c'est très désespoir. C'est le même pour Dieu ça qui a campé pour le peuple haïtien. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. En Jérémie 29, verset 11, Jésus dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous pas besoin de peur, pas des projets de malheur, mais des projets de paix. Dans Marc chapitre 6, verset 47 et 50, bateau, tu es dans la mer. Mais si tu as peur, tu as paniqué. Jésus dit, oh, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Haïti, c'est un bateau, un peu vent, des forces contraires, des chaviers. Vos corruptions, vos divisions, vos mésententes, vos tribunaux, vos remettre tout pour toi, vos redécor, vos mettre pam. Jésus dit non, dit c'est capitaine neuf avec ce mot, pas de naufrage, parce que c'est lui-même qui contrôle l'événement. Que Dieu, par l'intercession de cet homme à la quête, transforme Haïti en terre de bénédiction, lumière des nations. Et en amour de vie, pour sauver la vie de la nation haïtienne, de nos églises, de nos institutions, de nos familles et de notre bon Dieu. Parce que notre Dieu règne encore, maintenant et pour les siècles des siècles.